Salut tout le monde, on fait le tour ensemble de ce qui se passe dans le monde du sport cette semaine en Estrie. Le Phoenix, 3 matchs jeudi, 19h à Gatineau, les Olympiques de Benoît Gros qui s'en viennent visiter la troupe de Jute Vallée. Vendredi à 19h30, le Phoenix sur la route pour affronter la meilleure formation du circuit Courtois cette saison à venir jusqu'à présent, l'Armada de Blainville, le Bois-Brillant. Et dimanche à 16h, Ivan Barbachev et les Wildcats de Moncton débarquent au Palais des Sports Léopold Relais. Hâte de voir comment le Phoenix va rebondir suite à la belle victoire de 8-6, mais aux deux volées que le Phoenix va manger vendredi et samedi à la maison. On devra sortir avec beaucoup de caractère. La semaine de pratique du Phoenix cette semaine sera très importante. On suit ça pour vous et on suit également le dossier du joueur de 20 ans, Axel Rioux, qui apparemment n'est plus dans l'entourage de l'équipe. Le Vert et Or football, ben samedi à 16h, rendez-vous au stade de l'Université pour le dernier match à la maison de votre Vert et Or. Les Stingers de Concordia seront en visite. Pas besoin de vous expliquer que c'est un match d'une importance capitale pour les hommes de David Lessard. Ils se doivent de gagner s'ils veulent accéder aux séries de fin de saison. Et non seulement ils se doivent de gagner, mais on doit encourager les Gators de Bishop. Ils se doivent, eux, de vaincre les Redmen de McGill. Si tel est le cas, le Vert et Or passe alors en série de fin de saison. Les hommes de Michel Therrien qui ont subi la défaite samedi contre Nashville tenteront de se reprendre 3 matchs à l'affiche cette semaine. Les Oilers d'Edmonton de David Perron arrêtent à Montréal au Centre Bell mardi à 19h30. Jeudi, les Ducks d'Anaheim. Le match est présenté à 19h30, toujours au Centre Bell. Et un beau défi samedi prochain pour les hommes de Michel Therrien. Les puissants Sharks de Saint-Nosé s'en viennent à Montréal samedi. Match présenté à 19h. Les trois rencontres sur les ondes de nos collègues de chez RDS. On va surveiller pour vous le dossier de santé de Daniel Brière. C'est connu, commotion cérébrale. Sera tenu à l'écran du jeu pendant combien de temps? Et Brandon Prost, ça semble pas être des bonnes nouvelles pour le numéro 8 du Canadien de Montréal. Espérons que si on perd Prost, ça ne sera pas pour une longue période. Il apporte quelque chose d'unique sur la patinoire et dans le vestiaire chez le Canadien de Montréal. Et en terminant sur la page Énergie Sport, cette semaine, allez faire un tour. Je vous propose un texte sur Daniel Audette, l'an 2 du Phoenix, qui correspond vraiment à l'éveil du jeune attaquant du Phoenix de Sherbrooke, le fils de Donald Audette. Allez lire ça et je vous invite à commenter qu'on puisse jaser ensemble. Sinon, si vous voulez qu'on tweet, qu'on s'échange des messages Twitter, vous avez des commentaires, vous avez des plaintes, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. @MaxAlonde_, on jase sur Twitter. Tous les hits. Énergie.